Salut à tous, c'est Fanatic, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment créer votre propre activité modée sur GTA 5 Online, que ça soit sur PS4, sur Xbox One ou sur PC. Voilà, alors pour ma part ça sera sur PS4, voilà. Donc tout d'abord on va se rendre dans l'éditeur. Donc on va aller dans en ligne. Ensuite vous allez choisir éditeur. Vous allez cliquer sur OK. Ensuite, ce qu'il faudra, il faudra aller dans... Attendez, ça a chargé. Donc, il faudra aller dans créer une capture et GTA, voilà. Ensuite, vous allez choisir votre emplacement. Donc, nous, on va se mettre vers la plage, voilà. Donc, on va se mettre à peu près ici. Ça charge, voilà. Donc, c'est bon. Donc, là, on est à la plage. Ensuite, vous choisissez un endroit bien dégagé, donc comme ici. Ensuite, ce que vous allez faire un faux capture, vous allez mettre le titre. Donc nous, on va mettre, par exemple, Money Drop PNG, voilà, PNG, ok, c'est bon, donc là, on fait terminer. Ensuite, dans la description, bah, vous allez écrire by Fanatics, voilà, hop, ça c'est fait. Ensuite, dans la photo, vous prenez la photo que vous voulez, voilà. De toute façon, on va la reprendre après, mais au moins comme ça, il n'y aura plus la petite icône. Texte de l'objectif, ici, dans capturer le véhicule, vous allez écrire... YouTube, donc ok, il est déjà écrit en haut. Ici, on va enlever l'espace et vous mettez deux petits points juste à côté de YouTube, voilà. Et là, vous allez écrire votre nom de votre chaîne, voilà. Voilà, comme vous pouvez voir, ça s'affichera comme ça. Ensuite, oui, on est content. On est content, ce texte vous convient-il? On est content, voilà, ok, donc là on fait retour. Nombre de joueurs, vous laissez 8, nombre d'équipes 2, limite de temps, de toute façon on pourra changer après. Info équipe, dans véhicule des équipes, on va faire tout ça après, ok. Donc là ce qu'on va faire c'est déjà, on va aller dans placer. Alors placer une zone d'activation, on va en mettre une ici. Voilà. Et ensuite, donc là on a capture, on fait retour. Ensuite, on va faire dans caméra du salon, on va faire aussi ça. Voilà. Ensuite, point de départ des équipes. Donc ici, on va mettre le maximum, mais il faut les coller. Voilà, donc ici c'est bon. Équipe 2, on va mettre ça là. Voilà. Donc là, tac, tac, tac. Voilà, c'est bon. Ensuite, zone de capture des équipes. Ce que vous allez faire, c'est vous allez mettre une et vous allez mettre ça 15, vous allez mettre ça à... C'est 15,9. Voilà, donc 15,9, vous allez mettre à peu près là. Vous pouvez bien sûr faire direction de nous à mettre l'équipe 2. Vous allez mettre... ici, voilà, parfait. Ensuite, vous allez faire retour, zone de réapparition des équipes. Ça, vous touchez pas. Parce que voilà, véhicule à capturer. Donc ici, comme vous pouvez voir, on va les mettre après. Parce que déjà, ce qu'on va faire, c'est placer. Donc on va placer les éléments de décor. Alors, je vous conseille de placer ces plateformes là, voilà, donc attendez, voilà, donc c'est ça, des blocs, c'est plus simple, ça au moins c'est directement, c'est grand, voilà. Donc vous mettez ça ici, on va le tourner comme ça. Ça, vous mettez axe, donc l'axe, ok, c'est le mauvais axe, ok, donc c'est le bon axe. Vous mettez l'axe Y, vous changez l'axe Y. Ici vous allez mettre, donc ok, donc là on est en haut, vous mettez en bas, vous mettez là pour que ça aille proche. Ensuite ici ce qu'on va faire, on va laisser, on va tourner, voilà. Donc là on va se mettre ici,
Parfait. Ensuite, ici, vous retournez. Voilà. C'est vraiment faire une petite zone, hein, parce que sinon... Sinon... Bah, vous aurez beaucoup à courir et tout. Et puis bon, c'est pas très utile de faire une grande zone. Voilà, donc là, bon, c'est pas très propre, mais c'est pas grave. Là, on descend. Voilà. Et là, on est bon. Voilà, donc ça vous donne ça. Voilà, donc là, c'est la petite cage où les PNJ vont tomber de en haut. Alors, ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va aller dans éléments de décor. Et vous allez choisir le même que moi. Donc on va aller dans tuyau ou tube comme vous préférez. Donc voilà, donc dans tube et dans tube vous allez choisir. Il est où? Il est où? La rotation. Rotation. Voilà, passage rotatif. Ok. Ensuite, c'est bien lui. Voilà, donc c'est lui, passage rotatif. Ensuite, tu vas faire axe par défaut, vous allez changer. Voilà, donc c'est l'axe Y. Non, c'est l'axe X. Voilà, l'axe X. Donc vous le mettez ici. Vous mettez après, vous centrez par rapport aux deux points que vous avez fait. Donc là, on va le centrer. Ok, donc là, on est centré. Et là, vous l'augmentez, vous l'augmentez, vous l'augmentez. Voilà, donc là, les PNJ vont tomber de là. Maintenant, ok, c'est bon. Ensuite, ce que vous allez faire, là déjà votre activité PNJ Drop, elle est déjà presque terminée. Ici, comme vous pouvez voir, on va les faire tomber à partir d'ici. Donc, comment on fait? Alors déjà, on va aller dans éléments de décor. Et ce qu'on va faire, on va choisir les remorques. Voilà, donc les remorques. Non, c'est pas là-dedans. Véhicule, excusez-moi. Ok, donc, non. Éléments de décor, c'était bien ça en fait. Remorque, remorque, il faut choisir remorque, remorque, voilà, remorque et vous choisissez remorque de camion. Ensuite, ici, comme vous pouvez voir, elle est là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va ici, on va la mettre ici. Et ensuite, vous allez, voilà, valider. Donc votre remorque, elle est là. Maintenant, vous allez vous dire, les PNJ, là, ils sont où? Alors, attendez juste, on va aller dans acteur et vous mettez donc. Vous mettez les spéciaux et vous mettez les clowns ou ce que vous voulez, mais bon, nous on va mettre les clowns. Voilà, les clowns ils sont là. Ici, vous mettez variation, vous mettez aléatoire, précision, vous mettez bah rien du tout, arme, vous mettez aucun, donc moi ils n'auront pas d'armes. Voilà, aucune amplitude de patrouille, vous mettez à ça stationnaire. C'est bon, stationnaire ou non, on va mettre 1-5. Au pire, voilà, 1-5. Style de combat, vous mettez agressif, vous laissez. Action, vous mettez aucune. Et réapparition, c'est là où il faudra mettre illimité. Voilà. Ensuite, là, vous allez les poser par terre. Donc là, hop, il faut en mettre ces 20. Donc là, on a... Ok, hop, hop. De toute façon, après, en fait, le but, ce sera de les prendre et les placer sur la remorque. Mais vous inquiétez pas, les 20, ils vont tenir. Donc là, on est déjà à 13. Hop, on va en mettre là. Là aussi, tac, tac. 17, 18, 19 et 20. Ok, donc là, on est bon. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez laisser dans acteur. Et vous allez maintenant en prendre un. Attendez. Ok, acteur. Voilà, vous en prenez un et vous allez les placer sur la remorque. Voilà, donc là c'est vraiment le plus long à faire. Voilà, donc moi je vous retrouve dès qu'on a fini. Voilà, donc une fois que vous avez placé vos 20 acteurs, ce que vous allez faire, c'est que vous allez retourner dans la catégorie éléments de décor. Vous allez prendre votre remorque. Donc voilà, vous la sélectionnez, comme vous pouvez voir, vos PNJ sont là. Et là, franchement, vous la placez où vous voulez. Donc nous, on va la placer là, juste en bas. Voilà, et c'est bon. Donc là, comme vous pouvez voir, on va enlever la remorque. Et les PNJ, ils sont toujours ici. Alors maintenant, bah, on va mettre les véhicules à capturer. Ok, donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre vraiment ce que vous voulez. Voilà, vous les mettez là. Donc il faut en mettre 10, ok, hop. Ok, c'est bon.
Hop. Tac, tac, tac. 8, 9 et 10. Voilà. Donc ici on a, c'est bon. Ok, il manque dans info capture, c'est quoi? Ok, info équipe, véhicule des équipes, compact, n'importe. Ok, et lui, compact, voilà, c'est bon. Ok, voilà, on est bon. Info équipe, ah oui, objectif du score, on va mettre un point pour comme ça. Voilà, non, on va mettre plutôt 5. On va laisser 1 pour la vidéo, mais après vous pouvez mettre info équipe, voilà, donc c'est à chaque fois que vous allez capturer un véhicule, ça vous pouvez relancer tout de suite plus rapidement. Voilà, donc là c'est bon. Ok, donc là on peut tester, on va tester à l'équipe 1. Voilà, et comme vous pouvez voir, donc là, ils vont tomber, voilà, ils sont là. Et là, bah voilà. Et là, vous faites plaisir, voilà, donc là comme vous pouvez voir. J'ai pas d'argent parce que je suis dans le mode éditeur, mais après je vais vous montrer dans le vrai mode. Donc là juste on va capturer, mais c'est juste pour vous montrer, voilà, qui tombe en illimité. Voilà, donc là c'est bon. Donc, vous voyez, un point, ça fait ça. Ensuite on va aller dans l'équipe 2, et l'équipe 2 aussi, comme vous allez voir, PNJ vont tomber. Donc voilà, ils sont là. Ah, ils tombent vraiment en bloc, hein. Ok, donc là, dans la petite voiture, on va les livrer. Ok, c'est bon. Voilà, une fois que vous avez fini de tester votre activité, vous allez faire sauvegarder. Vous sauvegardez monnaie drop PNJ. Voilà, ok. Ensuite, ce qu'on va faire, on va faire publier. Ok, voilà, donc là votre activité elle est dans le social club, et maintenant ce qu'on peut faire, on peut faire quitter, et puis nous on se retrouve pour lancer l'activité. Voilà, donc une fois arrivé dans le salon de l'activité, vous allez faire conditions de fin, limite de temps, créneau actuel, vous allez mettre le midi, météo, vous allez mettre ensoleillé, là ici manche, vous allez mettre 4, donc voilà, donc vu qu'on en a mis 4, ensuite on va faire confirmer les paramètres, et nous on se retrouve dès qu'une personne a été invitée. Voilà, donc une personne est en train de rejoindre, donc c'est Leva 66, donc on va mettre jouer, voilà, donc ensuite ça lance la session. Voilà, on va faire prêt à jouer. Et comme vous pouvez voir, on est bien à la plage, donc comme on l'a créé. Et vous pouvez voir qu'on est bien dans l'activité. Vous entendez les bruits du PNJ là qui descendent, quoi. Voilà, donc ils sont déjà là. Ils nous attendent. Et puis bah, voilà. Et puis comme vous pouvez voir, ils sont là. Voilà. Voilà. Et là, vous ramassez l'argent, donc voilà. Hop, hop, vous tuez. Voilà, tac. Voilà, ça c'est fait. Et donc si tout simplement bah vous avez fini, bah vous allez livrer le véhicule, voilà, comme elle l'a fait, voilà, vous livrez le véhicule une fois que vous avez fini de récupérer. Et puis ensuite, et bah vous pouvez soit relancer. Voilà, donc là on va arriver à la manche 2, voilà, vu qu'on a mis 5 manches. Donc voilà, donc ici ils spawnent bien, ils sont derrière. Voilà, bien sûr vous pouvez. On a mis parce que on a mis le pistolet, c'est tout. Mais sinon vous pouvez mettre la mitraillette. Et bon, nous on a mis le pistolet. Voilà, donc là vous récupérez l'argent que vous voulez, tac, et c'est fait. Voilà. Voilà, donc là comme on peut voir, on va récupérer les billets, voilà, vous voyez, et là on continue à gagner de l'RP, et les PNJ bah ils tombent, regardez, ils tombent là, vous voyez, ils tombent. Donc voilà, on va créer une activité modée, on est bien sûr PS4.
Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je vous mets le lien de mon activité en description. C'était Fanatix, ciao tout le monde.